Anne-Claire Coudray a reçu des messages choquants sur son apparence. On te raconte cette folle histoire. Les présentateurs télé sont sur le devant de la scène et leur moindre geste est critiqué. La présentatrice du JT du week-end, Anne-Claire Coudray, s'est livrée avec honnêteté sur les critiques qu'elle reçoit à propos de son physique, ses tenues ou encore de certaines de ses habitudes lorsqu'elle présente les actualités. Elle a notamment reçu plusieurs messages d'une téléspectatrice en lui faisant remarquer qu'elle bougeait trop le bras droit pendant les titres du journal. Je me suis regardée du coup et effectivement, j'ai tendance à vivre mes titres en bougeant mon bras. Mais j'ai trouvé ça tellement étonnant qu'elle fixe sur ce détail, alors que ce que je racontais était quand même beaucoup plus intéressant. La présentatrice du JT a alors poursuivi au sujet des messages qu'elle reçoit parfois à propos de son physique. Elle est toujours étonnée de voir comment les téléspectateurs la scrutent dans les moindres détails et défauts, confiant qu'il faut accepter d'être décrypté physiquement. J'ai reçu une lettre un jour d'une dame âgée qui m'a scanné des cheveux jusqu'aux orteils et qui m'a dit en gros tout ce qui n'allait pas chez moi. De la forme de mes hanches à mes genoux qui était vraiment épouvantable. Mais pour Anne-Claire Coudray, ces critiques font partie du métier. La journaliste a également révélé qu'elle avait pris la décision dès le début de sa carrière de ne pas se faire coiffer par un professionnel avant chaque journal télévisé. Je veux quand même ressembler à ce que je suis dans la vie.